parti. Et bah oui, c'est parti. Let's salut go. À tous. Salut. On Dark Souls 2. Troisième jeu. Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Gros marathon. On est parti. Je vais me faire des brochettes. Et oh. Salut à tous. Bon, pourquoi ça marche plus? Ah oui, parce que je sais pas. Ah oui, c'est peut-être, peut-être que la truc est en fait. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Donc faut que j'efface un perso, mais je sais pas lequel effacer. Bah on voit Merci Exu. Ah, je garde Merci Exu. Hein. Mais c'est pas grave. Ah d'ailleurs t'as vu, Merci Xou c'est niveau 12, 17 minutes. Et mon avis c'est un bon record. A mon avis ça s'est mal passé là. Mais c'est pas très grave. On va faire Dark Souls 2, on va avancer. Donc faut que je me rappelle quelle classe. Donc je vous le répète, hein, mais on va faire assez vite la quête principale. Ce qui compte c'est de faire le DLC rapidement là. Qui, bon. On laisse la cinématique. Ah ouais, cool. Allez c'est parti. Est-ce que vous avez le son du jeu déjà? Normalement, oui. Allez, moi je me pose pendant ce temps-là. Il est bien ce marathon. Hein. On est vraiment super bien. Hein. On est bien là, franchement, on est en avance par rapport à l'année dernière. L'année dernière, bah ouais, on avait lancé genre en pleine nuit. Hein, Dark Souls 2, là, on l'avait lancé. Ah ouais, t'es pas mal, toi. Ah bah, c'est bien. Je t'as bien raison. Ah, oh, l'intro, elle est cool. Hein. Ça, l'intro du 2, moi, j'aime bien. Magnifique. Ouais. Ça, là-dessus, ils sont pas moqués du monde, les mecs. Bah, c'est le stream. Le stream de la vie. C'est pépère. Fais ton malinois, Calde. Bon, on se détend, vous savez. On est plutôt jeune, hein. Exerve déjà 48 ans. Bientôt 50, là. Faut en prendre soin, vous savez. Ouais, mais c'est vrai que les cinématiques sont super, ouais. Vraiment très très belles. Limite, on pourrait croire que c'est Shadow Die Twice. Hein. Mais bon, je sais pas si vous avez le son du jeu, moi j'ai l'impression que c'est super bas chez vous. C'est pourtant celui que je préfère D3, bah, tu vois, comme quoi. Moi je l'adore aussi. Hein. Je l'adore aussi. Son assez bas, oui. Bah ouais, j'imagine, ouais. Attendez. Ouais, je le remonterai. Oh putain, le fromage! Bah ouais, je vais par la fenêtre. Oh, ah ouais, mais en plus, tu l'as laissé dehors toute la journée, il est en train de devenir vert. Ouais, bon, on va le jeter. Ah bah ouais, on va le jeter par la fenêtre, ouais. Le chien? Ouais, au chien. Ouais. On va le jeter au chien. On va augmenter le son après. Bah vas-y. Non? En fait, si je fais ça, j'ai peur que tu sais. Ouais, non, ça va bien se passer. Dark Souls, tout ça, toi-même, tu sais. C'est pas assez fort, c'est ça? Ouais. Bah, on est bien. Le lien Tipeee Stream ne marche pas. Ah. De quoi? Le lien il marche plus? Apparemment. Ah bah si vous confirmez, je sais pas s'il y a Vinoc ou quelqu'un à Modo. Je vais vérifier le lien, mais normalement il va marcher. C'est le même depuis toujours. C'est une panne. C'est juste une panne. Ah moi j'aime bien Dark Souls 2 donc, parce qu'il a vraiment une mélancolie qui se dégage du titre. Il y a une ambiance poussiéreuse, tapisserie dégueulasse. Que j'aime bien. Ah oui, ça c'est sûr. Apparemment, le lien Tipeee fonctionne pas, mon petit Vivi. Ah oui, c'est vrai que c'est pas fort du tout. Freya confirme pour le lien. Ça marche pas? Non. Je vais regarder sur mon laptop. Merci pour les réponses. Merci. Merci. Oh là. La tomate, on l'appelle. Saute, mon grand, saute! Harry, qu'est-ce que tu fais? Bon, on va sortir la rapière. Hein. Et là, tout. Oh non, pas la rapière, non! Ah oui, c'est vrai que c'est l'arme du. Ah oui. Ah merde, erreur 502. Ah ouais. Si t'es offline. Ah.
Allez, on laisse même ça, puis on va y aller. Je vais regarder sur, peut-être sur Twitter, ils doivent le dire. Français offline, en général, ils le disent. Maintenant, 30 FPS, non, sur PC, PC c'est 60, hein, normalement. Épée brisée, bien sûr. Ouais, a priori, ça fait depuis hier hein, qu'ils ont quelques soucis. Ah. Des fois, ça marche, des fois, non, a priori. C'est pas très grave. Bah, c'est pour les dons, quoi, donc c'est gentil d'avoir voulu en faire, en tout cas. Ouais, merci. Là. Non, mais ça reviendra, hein, de toute façon. On est là encore demain, si vous vouliez faire un don. C'est super cool, déjà. Merci. On vous fait des bisous. Oui. Putain, Dark Souls 2 là. Ouais, ça me fait plaisir de rejouer moi. Bah ouais, moi pareil en fait. À chaque fois que je le revois, je me dis ah, en fait c'était pas mal. Ouais, ouais, c'est pareil. Ça, tu vois. Moi je vais sur les. Ouais, je compte sur toi. Il y a rien d'autre à faire. Non, non. Putain, c'est trop facile. Non, non, il y a rien d'autre à faire. Que... Wow, le fromage. Ah oui, le fromage, oui. Choisir un nom. On va mettre un nom rigolo. Vous avez pas une idée de nom rigolo? Vite, 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 il arrive. Comment on peut l'appeler? ASMR. C'est que c'est par qui? Saucisse. C'est pas drôle, saucisse. Sexe. Cuir. Exirve, exirve. Quoi? Hein? Non, 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 rien. Ouais, apparemment ça revient. Qu'est-ce que t'as dit? Non, non, rien. Ça va? Vas-y, vas-y, dis-moi ce que tu veux. Ne lis pas le chat. C'est excellent. Ah, merde. C'est excellent. Ouais, les mecs. Je me jure. Ah, voilà, la maturité. Ah, bah bravo. Oh, Yamato. C'est vrai qu'on aurait pu l'appeler Yamato. Et eh ben, ça sera. Ouais, ça serait... Tu vois, ça serait intelligent. Hein. C'est vrai que ça serait plus intelligent. Mais comme on est débiles. Comme on s'en fout. On est des gros gamins, voilà, ça sera. Mais purée, j'arrive pas à l'écrire. Et ben voilà, ça sera ça. Merci beaucoup d'avoir participé. J'aime beaucoup faire des espèces de petits. Hein, bon, vous avez compris. Alors, on va partir sur. Qu'est-ce que j'avais pris moi? Je crois que je prenais ça, hein. Le don. On prenait l'asset de feu. Ouais. C'est fou, je me rappelle déjà plus. Le nomadage, je l'ai fait il y a quelques mois, je me rappelle plus. Les blagounettes. Ah, mais on est là pour rigoler. On est là pour rigoler. Alors attendez, je me rappelle. Je crois, ouais. Ouais, ouais, je crois. Au niveau les gars. Ouais, c'est pas grave. De toute façon là je suis parti sur un No Man's Dice, ça va bien se passer. Oh là là, c'est tellement bizarre les déplacements. Faudra prendre un peu de temps là pour. J'ai l'impression que notre personnage, dès que tu te déplaces un peu, il fait. Ah oui, parce qu'il ouais, il va super vite. Hein. Comparé à Dark Souls, c'est différent. Hein. Fou, 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 fou. Puis il est plus compact le personnage, tu vois. Le modèle il est plus. Ouais. Tout à fait. Et du coup, quand tu fais un No Man's Die avec ce perso, en fait, tu récupères un anneau spécial qui rend l'arme invisible. Non, je le fais pas ça. Ben si, normalement c'est ça. Tu sais, il y a deux challenges dans le jeu. Finir le jeu sans utiliser de feu de camp et sans mourir. Et tu gagnes des anneaux pour rendre invisibles les armes. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, t'as ça normalement. J'ai vraiment pas fait gaffe. Guide de Magnifix au climax, ouais. Alors ça, c'est genre... ultra craqué. Ah oui, ça y est, on y est là. Ah bah là on est sur les strates. Il se lève au quatrième coup. Il meurt au dixième. Normalement. Voilà. La petite tenue qui va bien. C'est quoi, c'est pour les âmes ça, non? Ouais, ça donne ça multiplicateur d'âmes. Pourquoi j'ai autant d'armure? T'as pris quoi comme classe de départ? Chevalier? Ouais. Ça y est, on a fini Dark Souls 1. Ouais, on a fini le 1 là. BG. Le fragment de titanite. Normalement, je vais le sauter. Ouais.
Let's go. On va parler à l'émissaire. Il bouge aussi. Hein. La musique de Majula, c'est parfait. Ah oui, elle est parfaite. Hein. Franchement, la nana en vert, elle est cool. Le défi de Dark Souls 2, c'est jouer à Scholar of the First Sin. Je vous le remets. Et de faire un DLC, voilà, c'est gentil. Et de faire un des DLC, ouais, en fonction de l'heure à laquelle on sera et de la fatigue. Comme ça, on pourra peut-être faire un peu de dodo et demain, hop, aux aurores, on attaque Bloodborne, run ésotérisme complet. C'est ça. Demain matin, Bloodborne. Avec New Game Plus 7 et les donjons Calice x2. Hein? Quoi? Comment? Non, ça concède pas mal. Qu'est-ce qu'il dit? Pas la charrue une fois 4, j'espère. Ah, salut Milord. Bah pourquoi pas? T'aimes pas la charrue? T'as un problème avec la charrue? Tu veux qu'on en parle? Ah, mais oui, du coup, les gens ils peuvent plus faire de dons. D'accord. Ah, mais oui, ça explique. Bon, on va enlever le. On enlèvera le truc au pire. Ouais. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, ça se trouve, ça reviendra demain. Pas de soucis, les poteaux. On va remettre un lit. Ah, ouais, je vais faire ça. Ah bah voilà. Et comme ça on ira manger. On devait pas faire teinte sanglante. Je sais pas. Moi j'ai vraiment envie de voir la Reneso. J'ai pas pu voir son guide la Renésotérisme là sur Bloodborne. Et tout le monde me dit que c'est pété. Serge me dit que c'est pété. Boukassel me dit que c'est pété. Et moi je suis convaincu que non. Donc il va essayer justement de me convaincre avec Serge comme quoi les os c'est bien dans Bloodborne. Et je pense que c'est assez impressionnant à regarder. Surtout que vu qu'il la connaît, il la connaît très très bien, ça ira très vite. Et ça tombe bien parce que nous, ce qu'on a vraiment envie de faire avec XR, c'est Dark Souls 3 Randomizer. Et là, ça va vraiment être très très drôle. Très drôle. Et voilà, c'est pour ça. Voilà. Renézo avec la tronçonneuse. Les os, c'est très cool. Mais tout peut être pété dans Bloodborne. Bah oui, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que quand tu as des granulés de sang de monstre, t'as une arme qui est augmentée en plus 3, plus 4 direct. T'es déjà très fort, quoi. Tu montes un petit peu ta vie, tu montes tes compétences, tu fais des contres. C'est pour ça que je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Ce que ça va donner. La Renézo. On va voir. On va se prendre la tête. Ça fait plaisir de rejoindre en tout cas. Ah oui, mon ennemi est fétiche. Ça m'arrive de mourir souvent contre lui. Ah, j'aurais dû allumer le feu de camp. Ah, j'ai pas été malin. Parce que dans Dark Souls 2, quand tu meurs, et ben, tu perds un peu de vie à chaque fois. Ah oui, j'aurais dû allumer le feu de camp. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah, elle est belle cette zone. Hein. Elle est très très belle. Je la kiffe bien. Alors je sais plus quoi, l'histoire je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ouais, c'est dur de le faire tomber. T'es déjà là? Oui, ça va vite. Le garçon. Ah d'accord, merci. C'est ouf l'ambiance qu'on a. Ah! Au secours! Au secours! Non! Je suis en vie. Non, presque. On danse là. Là, on est sur des pas de danse de qualité. Thank you.
Au secours! On peut plus, ça y est. Ça y est, c'est fini. Fini le jeu, là. Trop brave, cet exerve, trop brave. Le grid de la fin, ça a failli mal se passer. Hein. Ça a failli mal se passer, mais on n'a rien vu. Ouais. What are you doing? Lève-toi, ma grande. Ok. Je vais juste la tuer, parce que ça va me permettre d'éviter d'acheter l'anneau. Ça, c'est très bien comme ça. Voilà. Dark Souls 2, c'est vraiment le jeu de la puterie, si je peux me permettre. Mais c'est ce qu'il faut. On est là pour ça. Voilà. Pourquoi tant de haine? Bah en vrai, ça aide pas mal de faire ça. Hein. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. De récupérer 50 millions de choses. Et là, en fait, on va acheter dès maintenant une arme. Ah non, je peux pas, il me faut la clé. On va récupérer la clé. On va aller dans la forêt, on va aller récupérer une clé. Et acheter la rapière. Et à partir du moment où t'as la rapière, bah tu vas finir le jeu avec. Et c'est grave. Non mais l'anneau c'est pas grave, j'ai pas besoin de le prendre maintenant, je peux le prendre plus tard. Et c'est ce que je vais faire, j'ai pas besoin de le prendre maintenant. Bah non, enfin moi il marchait à l'époque, mais... L'anneau ne disparaît pas, donc on va se prendre la tête. Les verres, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Y a pas de fiole d'astuce au début? Bah si, faut parler à la gardienne du feu, là. Elle te donne au moins une astuce. Mais en vrai, dans Dark Souls 2, t'as pas besoin vraiment de fiole d'astuce. T'as des gemmes de vie qui sont très efficaces. T'en récupères plein, tu peux en acheter plein. Bon. Voilà. Hop, parfait. Le faire remplacer par un paquet de chips. Bien sûr. T'en es où, là? Bah là j'ai fini Aid, je vais à la forêt, ouais. Les deux boss de la forêt, et puis débloquer le forgeron. En fait mon objectif c'est débloquer le forgeron, mm-hmm. pour augmenter ma rapière en plus 6, mm-hmm. et après, bah après tu roules quoi. Après dans Carcasse, Charonne, tout ça quoi. Ouais, ouais ça va vite. Hein. Bah après il y a Mashka à tuer tout ça. C'est ça? Mashka. Bon ça va. Ouais c'est pas, non, c'est pas dur. Hein. Pas très dur, mais si on veut faire le DLC avec un personnage bien fort, c'est l'idée. Le paquet de chips, Exerf, tu fais trop de bruit. Bah, il cuisine, hein, il peut pas tout faire. Hein. Tu veux quelque chose, toi? Tu veux que ça fasse un truc après? Non, non, ça va. Je t'ai fait la vaisselle, quoi. C'est gentil, merci. Ça tourne mal. C'est une vidéo sponsor, je me casse. Vidéo sponsor. Ah oui, merde, pardon. Voilà, c'est. Ah, on le voit, laze un peu. Ouais, ouais, bon, je suis pas sûr. Ça va, ça va. Là, on va lui acheter. C'est ce que tu parlais, tu sais, la dernière fois. Ce truc-là. Comment? Ça, là, c'est trop fort, tu me disais. Ouais, ça augmente les dégâts infligés. On achète la clé. Voilà. C'est comme si t'avais une graine de granulé de monstre là, mais tout le temps. Ah oui, c'est très fort. Hein. Mm-hmm. C'est très très fort. Et la défense, ouais, bien sûr, ça augmente tes dégâts physiques et ta résistance défensive. C'est fort, c'est très très fort. Ah, mais je vais pas laisser parler. Bouleyman, Denis Boulet. Oui.
ça va aller vite. Le prochain perso s'appellera X-Laze. Oh yeah. Oh yeah. Voilà, donc là en fait on a non seulement l'armure qui augmente les âmes qu'on récupère sur chaque ennemi tué, mais en plus de ça, et ça c'est complètement fou, on récupère un anneau qui permet de récupérer plus d'âmes quand on bat des ennemis, voilà, dès le début du jeu, pourquoi pas. Et comme on a acheté la clé, on va retourner à Majula pour acheter la rapière, fin du game. Les stats d'adaptabilité, il y a d'un autre problème, c'est quand même qu'il y a le plus de contenu des Souls. Ouais, bah en termes d'armes, d'équipement et tout ça, Dark Souls 2 est extrêmement riche. Et c'est pour ça que j'aime bien le jeu, parce que tu peux faire des buts de... Tu peux tout faire, c'est trop bien. Normalement, il est censé venir, non? Elle vient plus tard, je vais passer par les peut-être. Oh, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Non, là ça va être ni pour cent, on fera aucun all boss, hein, j'imagine. Parce que même. Après, ça dépend du temps qu'on a, hein, après tout. Donc, on vraiment ou pas. Ouais. On verra si comment se passe Dark Souls 2. Même Bloodborne demain. Le hall boss de Bloodborne n'est pas long. Bon. J'ai pris du plaisir à refaire des builds aussi sur ce jeu. Bah oui, oui. Moi, c'est là où j'ai pris l'essentiel de mon plaisir dans Dark Souls 2. Hein. C'est d'essayer plein de strats. Ouais, mais Dark Souls 2 il est fait pour ça. Il est parfait, hein, pour ça. Pour ça, faire des runs rigolotes, faire un tout n'importe quoi. C'est la rapière qu'il me faut. Voilà, puis on va acheter ça. Il m'en faut quand même. Renforcer. Je crois que je peux l'augmenter en plus 3, si j'ai pas de bêtises. Dès maintenant. Ah oui, parce que j'ai l'âme du boss, effectivement. Voilà. Monte ton ADP. Ah bah oui, ça c'est un truc qui est super important. Ah bah ouais. C'est super important. Ça te permet vraiment d'augmenter le temps d'invulnérabilité et le temps de potion. C'est trop cool. Enfin, de réduire les temps de potion. Voilà. Mon arme en plus 3, ma petite rapière. Nickel. C'est parti. Et en fait, en termes d'anneau, je vais avoir l'anneau de Chloranti. Et c'est très bien. Je mets un lien sur le chat. Ouais. Les gens, je vais mettre un truc sur mon bot, c'est comme ça. Ah oui, la difficulté relative. Bah, si t'as marché sur Dark Souls 2, GG, parce que moi, j'ai un peu galéré quand même. Au début, j'avais pas tout compris. L'albarde. Lol. Tu l'as eu pas 40, je crois que c'est 20 pour profiter des bonus déjà, c'est super intéressant. Et au-dessus de 20, je crois que c'est pas super super cool. Mais peut-être que je dis une bêtise. Par contre, j'aurais pas de notif, c'est mort. Ah ouais? Bah ouais, je discute de mes mails, du coup je vais à mes mails. Ah c'est bon. Cette fois-ci elle est partie. C'est parti! On va faire les boss. Ah! Au secours! J'ai perdu de la vie bêtement. Ah, mais j'ai pas changé d'arme! Ah, ah. Le boss, lui, quand il fait son marathon, il se rend 5000. Ah ouais? Ouais. Ah, il fait un marathon aussi? Ouais. Ah, je suis à une main. Easy. Trop bien la rapière. Hein. Ouais. Non, non, non. Ok. Je sais pas si je peux finir le jeu en moins de 3 heures. Je pense que c'est possible. Cet ennemi, vous le connaissez par cœur. Vous l'avez vu 3 fois, vous le connaissez par cœur. Moi, je la trouve pas top, la rapière. Mais après, ouais, ça dépend des joueurs. Moi, je la trouve vraiment, vraiment trop forte.
T'attaques trop vite et tu verras, enfin, si tu restes jusqu'à la fin de la run. Ça, c'est fou. Ouais, c'est si fort que ça. De quoi? Ah ouais, ouais, c'est... Parfait, ça fait trop longtemps, on va. C'est très fort. Duel ou rien? Bah moi j'adore l'ambidextrie dans... Dans Dark Souls 2, c'est trop bien. Jouer avec deux armes, c'est le pied. Ah mince! Oui, bah oui, bien sûr. Ah oui, c'est les raccourcis qu'on va débloquer là. Le fameux. Avec l'une des zones les plus belles du jeu. Ah, je sais pas beaucoup de dégâts. Ah, il y a un truc. Je peux pas porter mon arme. J'ai fait une bêtise, j'aurais dû augmenter ma deck, je pense. J'ai pas les prérequis pour la porter. Tout va bien. Mais c'est pas grave. On va faire le boss comme ça. Ah non, c'est vrai, dans Dark Souls 2, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire traverser les brouillards. Tu te fais tuer. Ah, j'avais oublié. J'ai envie d'ouvrir le raccourci avant de mourir. Ça me plaît. Je devrais avoir, en fait, je devrais avoir des notifs sur le téléphone, donc c'est bon. Merci encore une fois aux gens qui disent que le lien marche pas parce qu'ils veulent nous donner. C'est super gentil. Ouais, c'est gentil. Et bon appétit. Voilà, les portes tu peux, mais pas... Merci tout le monde. J'en ai comme il me faut un dext. Un dext. Est-ce que c'est puissant? Ça a l'air, hein. Ouais. Je sais pas. Oui, bon appétit à ceux qui vont manger aussi. Je sais pas que l'heure est. 20h32. Ah oui, bah oui, ça prend très bien. Oui, 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 d'accord. Je vais découvrir un fragment, blablabli. On n'est pas là pour un. Hein, ouais. Alors, on a déjà tué Sif, on s'est fait gronder. Demain, on n'a plus de brochette, je crois. Ouais. Ça, on va livrer dans le sushi, ça. C'est trop bien d'être tout le monde. Bien. C'est trop bien Dark Souls 2, à chaque fois. À chaque non, en fait, j'ai envie d'y rejouer là, de te voir jouer. Ah ouais, ah bah faudra attendre un peu. Ouais, ouais, bah vas-y, joue. Moi je te regarde, c'est cool aussi. Hein, de non, moi je veux bien. Ah putain, c'est pas Dark Souls 1. Voilà. Là où il faut maintenir. Putain, ouais. Les dégâts. Ah ouais, non, je suis en plus 3. Hein. T'es que en plus 3? Oui, je suis en plus 3. Là. Oh god. Pas de résine, pas de résine, pas de boost, rien. Okay. Je suis sur le stream en mangeant dans un resto, Julien. C'est génial. Tu es sur son téléphone. Mm-hmm. Bah, tes invités doivent être contents, je pense. Ah, il fait quoi, lui? Ah, c'est ça que je voudrais faire. Ah, ça peut être cool d'invoquer. Double bouclier? Bah, je veux voir ce qu'il fait. Lui est le mercenaire. Parce que je le fais jamais, en fait, ça. Ah mais c'est un gars qui bosse avec nous, c'est un PNJ, c'est pas... Pas un jour? Non, c'est un PNJ ça. Avec double bouclier. Ah... Bah ouais, c'est marrant. Je vais voir ce qu'il fait, ça peut être rigolo. Bah il doit mettre des gros coups de tatane. Des conseils pour gagner, mais grave la pression. T'en fais pas, il met la pression à tout le monde. Hein. Ouais. Il est dur ce boss. Faut vraiment respirer. C'est... T'es sous pression constamment. C'est le 2, il n'y a pas de remaster. Ça, on commence que là. Ah oui, non, on commence pas. Il est trop fort ce petit Calderman. Mais les PNJ sont trop cool. Hein. Les PNJ sont vraiment trop cool dans Dark Souls 2. Ouais, vraiment, à chaque fois que j'en voyais un, j'avais envie de l'invoquer pour voir ce que ça donnait. Je trouve ça trop bien. Oh là là, ah ouais. Hein? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la source de ça. Les box un peu. Ouais.
Ça, c'est la marque de fabrique de la série. Du coup, il me fait un peu de grimpe physique ce qu'il fait. Mais il fait rien, il tank en fait. Tu vas me dire avec ses boucliers. Voilà, là les dégâts que je... Ouais, c'est ça en fait. C'est juste pour rigoler, je pense. C'est pour ça que j'adore. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs trolls comme mais ça. Oui, c'est ça. C'est un jeu qui troll tout le temps. Donc. Ouais, ils se sont marrés. Hein. Bon, c'est le prochain boss qui m'a attaqué un peu avec la hallebarde là. Les trois machins. L'albar, pourquoi je dis l'arbalète? Ah, ah le coup de l'arbalète, ouais, ça fait longtemps. Après, je savais le contrer lui à une époque. Ah ouais, le compte peut être cool. Hein. Je savais le faire. Le compte peut être vraiment très très cool. Oui, forcément, hein, lui il est toujours là. Mm. Ça fait des années qu'il est. Il n'a pas bougé. Hein. C'est depuis, c'était quoi, 2014? C'est ça. Non, 2013, 2012. Avec un petit bouclier, ça marche bien. Ouais, faut aller. Aller voir. Oui, c'est le retour du HUD. Parce que le truc... C'est quoi, j'ai envie de rentrer, augmenter tranquillement. On va pas se presser. Déjà une mort, même pas. Même pas. Ça me ferait très plaisir de faire un No Man's Die sans mort. Mais ça m'étonne. Ouais. Oh, c'est DS2 celui-ci, tout à fait une non-bibs. Ouais, 2014, hein, on est d'accord. Ouais. 2014 mm. Ah, on peut enlever le HD. HD. Ouf. Non. Ouf, bien. J'aime bien, je regarde. C'est super à regarder, hein. Franchement, je sais pas vous, chez vous. Non, mais moi, c'est ce que je te disais. Hein. Moi, je suis en train de manger, je regarde le stream, là, en direct. C'est pas mal, hein. Je te dis, j'ai hâte aussi de voir ton Bloodbank, ton ésotérisme. Non, mais vraiment, c'est pas... Avec plaisir. C'est pas les jeux de ton. Je veux dire, tu me fais tellement plaisir à m'inviter là. Bah ouais. Je me chou. Quand tu veux. Attends, il y a un truc. Je respecte un truc, je crois. Non, c'était Scholar, c'était pas 2004. Si. Non, Scholar, c'était 2015. Juste après Bloodborne. Parce que j'étais à GK quand je l'ai testé. J'ai juste hâte que mon kebab arrive. Elle est gourmande. Tu te fais livrer des kebabs? Ouais, c'est chouette. Hein. C'est génial. Faire livrer un kebab, c'est trop. C'est concept. Ouais. Pourquoi pas. L'ADP, pas tout de suite. Non, je sais plus tard, faut que t'augmentes ta dex d'abord. Non ouais, ouais. J'augmente. La forêt des grands morts, putain, mais c'est les blagues de Twitter, ça, du moment, ça. Tout le monde y dit ça en ce moment, grand mort, je sais pas quoi. Ah ouais. La forêt des géants défunts. À manger. Déjà. Vous mangez, moi. Pas le time. Pense à ta digestion, Wissou. Le vieux couple, tu sais. C'est tellement ça. Ouais. Oh, ça suffit, je pense à la digestion quand tu iras voir le cholestérol, je sais pas quoi. C'est exactement ça. Mais si tu refaisais du sport, comme t'avais promis. Puis je vais peut-être boire une petite bière. Alors, je vous laisse la cinématique parce que c'est... Ah, c'est tellement cool. L'un de mes boss préférés de Dark Souls 2. Et en plus, on le voit que 12 fois, donc franchement, profitez-en. Hein. Ouais. Bah nous, on verra qu'une fois, parce que limite, quand il va réapparaître, on va tourner le dos. Donc... Non, le poursuivant, il est top. Ouais, il est trop classe. J'adore. Son épée est terrible, son bouclier, il est génialissime. C'est... Son stuff est top, quoi, à se refaire. C'est top. Double épée du poursuivant, c'est genre... Puis en plus, il... Attends, j'ai envie de refaire le Dark Souls 2, il y a tellement de builds cool à faire. C'est ça, c'est pour ça que je joue à ce jeu. Hey, salut Aurore. Ok. Effectivement, le setup, je l'ai plus. Tu vois, c'est bien, ça passe. Oui, ça passe. Ça a passé, ne vous en faites pas. J'ai le setup en main. En tête. Je sais pas, nous de retour. Hein. Ah, si j'en ai, mais j'ai pas envie. Ça va super, Aura. Franchement, j'étais. J'ai un peu claqué. Là, ça va mieux. Bon, si je touche, c'est incroyable. Oh, tellement close. On va réessayer. Allez, à la loyale. Oui. Oh, bon, ça va. Ouais, c'est pas un boss difficile, mais justement. Moi, je l'aime bien ce boss. Vite. Oh,
Ah là par contre. Ah il l'a cassé je crois. Ouais. Ah non. Oh joli ça. Ça y est, j'ai de l'endurance, je cours. Il s'accroche à la vie. Vous savez que ça peut prendre 10 minutes ou pas? Bah ouais, on est bien. Hein. Ah ouais, tu l'auras jamais. Ouais, j'aurai jamais. Mais tu sais, des fois dans la vie. Ah! Tu vois? Mmh, ouais, c'est bien. Ouf, ça, bah voilà. Il n'y a plus de baliste. Ah! Et toi, on va voir comment ça va. Ça fait longtemps. C'est cool ça, il y a plein des gens. Ouais. Merci tout le monde. I'm dead. De fait, tout le monde. Tu connais le setup? Non, mais je connais le boss. Mmh. Attends, je fais juste là, et si je meurs là, je te le passe. Vas-y. Et tu le fais au corps à corps, ça peut être sympa. C'est pas si longtemps, je sais pas. Moi, je m'en rendais pas compte. Moi, personne. Mais Moi, je veux bien le voir au corps à corps, ça a l'air cool. Tu l'as jamais fait au corps à corps? Moi aussi, si, j'ai déjà fait au corps à corps, mais... Moi, je le tue, en fait, tu sais, quand il arrive la première fois sur la petite plateforme, je le tue jamais, là. Voilà, c'est ça, ouais. Bah oui. J'ai déjà vu Yamato faire ça 1000 fois le setup avec la baliste et boubou et boubou et il est mort. Ouais, c'est rigolo de faire ça. C'est le jeu troll. Je me rappelle plus exactement du setup, c'est pas. Faut pas le contrer. Bah si, si, si en fait c'est ça, faut le contrer quand il te charge et après tu fais la baliste. Ah oui, tu peux faire ça aussi, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait il est stun pendant 10 secondes. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, mais pas obligé hein. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui arrive. Moi j'aime bien quand ils font ça. Ouais. Bon, salut à ceux qui arrivent. Là il n'aura jamais le temps d'arriver. Ça manque, ouais, j'en sais rien. Vite! Ouais, tu l'attends genre là. C'est pendu ton mouvement. Vite, je spam. Oh! Ah ouais, d'accord. Merde, j'ai pas tiré! Mais j'ai roulé! Bouleman. Ah ouais, carrément. J'ai pas appuyé sur le bouton. Ah oui, c'est vrai que c'est, il y a un temps. Ah, mais je me rappelle plus maintenant. Tu viens de tuer? Ah, je suis maudit. Ouais, t'es maudit. Mais bon, la malédiction, c'est 5% de PV à chaque fois. C'est pas. Je fais ça. Ah, j'avais oublié! Oh là là. C'est long, mec, hein. Dark Souls 2. J'avais oublié. Oh. Mais j'ai tiré! Alors? Mais oui, c'est le pire boss. Bah non. Troisième tir. Ah oui, bah là, oui, maintenant. Enfin, normalement. Ça y est, je suis en forme. Ouais. Manger, ça fait du bien. J'ai pas envie de perdre ma vie, par contre. J'ai plus de gemme de vie, c'est pas grave. Ah, moi j'aime bien ce boss, il mange pas. L'ADP ça joue sur l'estus, je crois pas que ça joue sur les gemmes de vie. Non, ouais, c'est l'estus, ouais. Mais moi, enfin l'ADP c'est surtout les freins d'invulnérabilité pendant le skip. Okay. En fait, ça contre un peu les hitbox pétés ou des choses comme ça. Enfin, je trouve. Oh non, mais... Oui! Ah, ils vont me tuer, on va voir. Tu as une flèche sur ton chapeau. Ouais. Tu veux essayer de tout au corps à corps? Moi j'aimerais bien voir. Ça a l'air sympa. Rouler à droite, c'est mieux de mémoire. Ouais, c'est plutôt à droite qu'il faut rouler avec lui. Ah, je l'ai tué plein de fois comme ça. Je sais pas si je vais m'en souvenir, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Dark Souls 2. Mais... Non, c'est pas grave. Pas de bouclier. Va falloir passer à l'estus. J'ai une gemme de vie. Non, pas de bouclier. Non. Bah, la rapière. Oui, t'as qu'une gemme. Et t'as déjà envoyé la. Ouais, c'est bon. Oh, ça fait bizarre. Ouais, Wincha, j'aurais pas 20 heures de stream dans les pattes. Ça fait tellement bizarre. Ah oui, ça fait bizarre. Ah, le perso, on dirait qu'il a une inertie, c'est débile. Ouais. Ah bah oui, super. Mais on va pas y passer une heure. Je vous le dis, on va le défoncer.
Ah oui, non mais je pense, mais c'est juste que... Oui. Oui, monsieur. Bah voilà. Oui. Vous avez des questions, hein, monsieur. Le PGM. J'ai pas joué au jeu depuis oui, une éternité. Tiens. Trop fort, beaucoup trop fort. GG. Ah d'ailleurs, je vais équiper ça. Oh, dis donc, Wiz. Je suis arrivé il y a pas longtemps, mais du coup, GG à vous deux pour DS1. Merci, Wiz. Merci. Ah oui, tiens, je vais regarder les notifs si jamais. Oui. Ah, c'est vrai que oui. Ce contre magnifique. Bah, c'est parfait ça, tu vois. Jeune follow. Boum boum. Laisse faire les grands. Oh le pauvre Calbu. Merde. Attendez, il nous a sorti de la mouise tellement de fois là sur DMS et sur Dark Souls. Donc ça. À l'automode. Oh merde. Mais oui, bien sûr qu'on autorise. Autorisé là-bas. Ouais, c'est bon, apparemment. Je vais manger. Bon appétit. Bon appétit, Caleb. Bon appétit à toi, Caleb, aussi. Je crois que j'ouvre rien, là. C'est pour rire. Non, mais je sais, hein, juste évidemment. Évidemment que c'est pour rire. Je m'en doute. Non, nous, on prend jamais rien, mais alors. Non. Ou alors on le fait pas exprès. En fait on fait des streams, enfin moi c'est pour le fun et tout, c'est trop bien, je m'amuse trop. Donc je vais pas me prendre la tête si tu veux. Je vais faire ça. On prend jamais les choses mal. Ah d'ailleurs si, on le revoit puisque je vais chercher l'anneau, effectivement. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. On le revoit maintenant. Ah, il est pas mort. Il doit manquer un peu de dex. Quoi? Ok. Qui est le vrai youtubeur Dark Souls? C'est moi? Bah oui, si tu veux, moi ça me dérange pas. Mais t'es un vrai aussi. Faut leur dire que t'es un vrai aussi. Ah non, je m'en fous. Allez, défends-toi, chouchou. Allez, chouchou, défends-toi. Te laisse pas faire. Montre-leur. Dis-leur à eux là. T'es pas gentil. Ah ouais, j'ai augmenté mon endurance, du coup, c'est cool. Ça marche bien. Allez, j'avais oublié une fois, là c'est la clé qui va nous servir, mais bien bien plus tard dans le jeu. Et si vous l'oubliez, ben c'est pénible. Salut R9K, comment ça va? R9K c'est incroyable, je le vois de partout, tout le temps. Qui ça? R9K, c'est ouf. Sur tous les streams de tout le monde. Ah oui, qu'il m'a lâché, bah oui. Ça fait longtemps. Bon alors, t'as besoin d'aide petit Padawan là? Je t'explique la vie, bon alors je fais des roulades. Hein. Et puis alors une fois que t'as fait des roulades, bah, tu tapes. Voilà. Tu tapes quoi? Oui, il faut suivre ton jeu. Tu prends la fumerole. Tu t'es toujours avec la pierre et vidéo. Non, en vrai, pour le coup, ça va. Moi j'ai pas trop de problèmes avec le jeu. J'ai pas trop de problèmes avec les jeux vidéo. C'est ça. Tout va bien. Oh, regardez. Dans le cul, lui. Ah, tu peux faire ça? Oh. Excellent. J'adore. C'est tellement drôle. Et eh oui, il y a le bon rouleur et il y a le mauvais rouleur. Ah oui, en plus, ils en ont mis un avec une. Ouais, en pierre là-bas. Ouais. C'est ça. Là, les sticks gauche pour se déplacer. C'est quoi, c'est papier de feu, je sais pas quoi. Et le petit raccourci qui va bien là. Le Toricut. De toute façon, on va même pas y aller. Ah, on va pas les tuer. On est là pour le boss. Viens là, par contre. Voilà.
Sois gentil. Ouf, oh, il tape vite. Soit une main. Ah oui, par contre, voilà, c'est ça. Quand tu cibles un ennemi dans Dark Souls 2, c'est du caca. C'est un peu. Ouais, faut que tu t'éloignes de 10 km pour prendre une fiole d'estus. Parce que ça prend juste 1307 secondes. À peu près. Et en fait, on va être là. Normalement, c'est bon, hein. La fiole d'estus que t'as commencé à prendre hier quand on a débuté Demon's Souls est finie. C'est un peu comme ça, Dark Souls 2. Ah oui, distorsion, c'est un malade mental. Ah oui, non, par contre, oui, là, on est... Là, on est sur une autre galaxie, hein. Nous, on est des joueurs. C'est genre, nous, on fait les bonhommes parce qu'on arrive à tuer le deuxième boss du jeu. Ouh, c'est exactement ça. Ouh, on a tué le pourchasseur. Ouh. Nous, on a le droit à des GG parce qu'on a tué un mob, quoi, tu vois. Mais... c'est trop ça. Il a ouvert son menu. Grosse qualité. Gros joueur. Bref. Ah, là, c'est le moment un peu... Tu vois, ce jeu, c'est du troll tout le temps. Tu te dis... Ah oui, oui, oui. Et est-ce que ça va marcher, surtout? Hop, un peu de travers, on s'en fout. Hop. Le karma, je suis pas karmatable, donc ça va forcément marcher. C'est incroyable. Ouais, non, mais la vie, en fait, la vie, quand tu la prends de façon positive, il t'arrive que des choses positives. Voilà. Faudrait que tu sois américain, tu sais, que tu fasses des sessions, tu sais, des grosses conventions, là, genre Yes Man et tout. Ouais. Je suis Calder. C'est, rien ne peut m'arriver, c'est terrible. Calderman. Comme ça. Après, je comprends qu'il y a un peu de jalousie. Ça, vraiment, je comprends. Mais j'ai peur, c'est comme ça. Il faut savoir être fier des petites victoires. Il a mis les petites chaussures. Il a mis ses chaussures. Vous voulez voir mes chaussons aussi? Ils sont là, ils sont magnifiques. Sur la First Print, c'est une reliure cuir. Non, je crois pas, je sais pas. Non, c'est comme ici. C'est une reliure, je sais pas comment on appelle ça. C'est une reliure reliure. Mais c'est bien, hein, ça tient le. Ah bah voilà, Juju. Ah bah ça refonctionne. Merci, Juju. Oh, puis on a le son de. Bah oui, du coup. Trop bien ça. Et ouais, maintenant on allait eux ils les avaient depuis le début mais pas nous. Ça y est, on a le son. Ah, ils sont de l'autre côté. Ah ouais, quand on joue sur PC on a le son. Hein. Mais du coup ça fonctionne en fait le Tipeee stream le lien. Bah apparemment oui. Ah bah voilà. Alors si j'ai pas de bêtises là. J'ai oublié quoi? J'ai oublié un truc. Faut que tu lui amènes une gemme lui, non? Allumer la torche. Eh ben tu me diras. Non, mais la torche, ouais, mais ça amène à rien. Bah, c'est juste pour qu'il se déplace, voilà, et c'est tout. J'ai oublié un truc, c'est quoi? Bah, il a besoin d'un truc. Ouais, mais l'ambre, ou je sais pas quoi, là. Non, c'est comment ça s'appelle? La résine? L'ambre? Ember, tu sais? Il cherche des embers. Voilà. Non. Ah, mais d'accord, mais c'est juste que ça, son dialogue est, dure 3 ans. Voilà. Sombre buse. C'est lui. C'est drôle, ça. Alors, renforcer l'arme. Après, il m'en manque 2. On est à combien là? Plus 5. Tout va bien. Non, je suis en plus 6. Ah, mais parce qu'il en vend, je crois. C'est ça qui est pété. Ouais, c'est ça qui est pété. T'en as besoin que de 2? Ouais, mais les autres, je les ai trouvés. On va les réparer, non? Voilà. Et après, il faut des éclats. Bah, l'éclat, je vais en avoir un bientôt. Cool. Donc, le prochain boss, c'est Nashka. Et... Travail terminé. Je vous là. C'est parti. Couillon de la lune. Mais t'as déjà récupéré un truc pour Nashka. Il faut que tu puisses virer la meuf en pierre, hein, la pyramide. Je confonds. Mmh. Je confonds. Non, Nashka, c'est bon. Quand je réfléchis 2-3 trucs. Tu l'achètes. Je crois que c'est elle qui vend, si j'ai pas de bêtises. Ah non, oui, c'est ça. Faut que j'achète. Ça y est, je me rappelle. Les crânes élégants. Ah oui. Qu'est-ce que je joue en ce moment? Warframe, ça défonce. Moonlighter, c'est trop bien. Unworthy, c'est pas mal du tout. Voilà. Ah ouais, le petit chat. Tu lui achètes son anneau? Non, pas encore. Ah, c'est pour faire quoi ça? Moi, je connais pas la technique que tu vas utiliser là. Oh, c'est débile. Tu vois, c'est juste pour simplifier certains passages. Rien de extraordinaire. Bon petit chat. Mais. Shell Core, ouais, il est cool hein, comme
discret. Mais... Non, mais les PNJ sont bien. Hein. Y a vraiment, en fait, c'est pas grand chose finalement, tu vois, qui va pas dans des. C'est des petits détails. Mmh. Pour qu'ils soient vraiment ouf. Ah, mais est-ce que je vais monter ? 242 dégâts. Oui. Oui, oui. Dark Souls. Après, on va là, on va là. Je suis en train de faire la route, ok. Après, on tue ça, on a l'arme en plus 10 dans 20 minutes. Comme ça. Je crois. C'est plus 10 le max, hein ? Oui. Je me souviens de ma vidéo, très loin, hein, ma vidéo sur les infusions et tout ça. Ah oui, t'avais passé du temps dessus et tout, machin. Je me souviens ça. Bah ouais, c'était un peu compliqué, il y avait plein de subtilités à chaque fois. Oui, il est trop bien ce PNJ. Bruno, à chaque fois je dis Bruno, mais c'est pas Bruno, c'est. Roland. Lui ? C'est pas Roland, lui ? Il dit pas son nom ? Prenez un parade, ok. Bergo, Bédo. Ah, Bénard, ouais, c'est ça. Bénard. Bah oui. Oh, pas du tout, en fait, j'étais à 2000. Très bien. Ah, mais j'ai pas acheté de. Ah, oui, ça, c'est débile. J'aurais dû acheter des pierres, là. Parce que c'est ça qui est fort dans Dark Souls 2. Les pierres. Ah, oui, c'est pour les. Tu vas pas les gemmes de vie, ouais. Ouais, bah tu pourras. Si, parce qu'en fait, j'en ai une. J'en ai récupéré une un peu plus tôt. C'est ça que tu voulais dire ? Ouais. D'accord, bah oui, c'est ça. Je me rappelle pas que tu l'as récupéré aussi, toi. Ah, mais si, oui, si, je me souviens où tu la récupères. Oui, tu la récupères à l'ancienne forteresse, machin. Et tu jettes un crâne élégant au milieu pour. C'est triste, hein. Bonjour, madame. Et un feu de camp là-dedans. Ouais, je crois qu'il est en gauche. Il y a un feu de camp, je me souviens. Salut, le marot. En fait, il y en a tellement des feux de camp dans Dark Souls 2. Sauf dans les DLC ou là où ça commence à piquer. Mais sinon, t'en as partout. Merci, le marot. Des bisous à toi aussi. Mais un beau commentaire. C'est vrai ? Ouais. Merci à toi de m'avoir fait découvrir les Souls. Je suis actuellement sur mon premier cycle de Burn à Régal. Vous m'avez été tous les deux plus de notoriété. Des bisous puits et bon curage. Je pense que c'est des bisous puits, mais je pense que c'est des bisous qui voulaient dire. On est déjà gâtés. On est bien là. Ouais. Regardez, 1207 personnes. Devant Dark Souls 2. Devant Dark Souls 2. Scholar of the First Sin. Et j'ai toujours pas dit du mal du jeu. Ah, j'ai plutôt dit que c'était bien. Quand je te passerai la manette, t'inquiète pas, ça va vite arriver. Je veux dire, au moment où je t'ai sauvé le cul parce que t'avais pas tué le boss. Ouais, oh, ça va. Hein, ah bon, d'accord. Suite, non, je demande. En fait, c'est des bisous cuits avec amour. Oh, c'est mignon ça. C'est super mignon. Des bisous cuisses, ok. Ah. Je vais en avoir un peu plus que lui. Ouais, il faut beaucoup de bisous pour... Désolé, c'était juste pour la blague. Un autre Clorenti, parce que tu vois, t'es pas assez puissant, donc... C'est le challenge de pas dire du mal du jeu, c'est ça. Non, non, mais moi je veux dire pas que du bien, évidemment. Surtout quand on sera dans les DLC. Hey, Hard Gamer, merci à toi pour le sub. Voilà, donc là, il y a le poteau. Il y a la clé mort, mec. Ah non, 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 c'est bon. Ah, il y en a marre, hein. Il nous saoule avec sa clé mort. C'est bon, hein. Alors, on fait ça. Toujours pas gamin, on a enchaîné. Hein. Dark Souls 1, juste le temps de manger une brochette et hop, Dark Souls 2, quoi, direct. Oui, on enchaîne. Encore, lui, il mange jamais. Hein. Non, mais j'ai mangé, j'ai faim. Là, c'est la fin. Et du coup, tu fais ça. Là, le clan anti. Déjà que l'endurance, bah, forcément, avec cette arme, t'en dépenses peu. Il est là, d'accord, salut. Et... L'idéal, c'est de les tuer ici parce qu'en fait, bah. Tu sais quand ils arrivent. Ah oui, l'anneau. Voilà. Ah, mais tu peux pas cibler. Bah non. C'est dur la rapière. En fait, c'est vraiment une arme difficile à maîtriser. Ouais, ouais, je vois ça, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, hein. Ouais. Tu vois, genre Monster Hunter à côté, c'est un peu débile. Hein. Faut le dire. Mais je tiens à le dire. Je vous conseille vraiment une arme puissante. Ah oui, en plus, tu peux porter 4 anneaux dans celui-là déjà. Putain, c'est bien. Je peux pas en mettre 2, c'est ça. Bah, faut pas déconner.
Bon, je sais pas, c'est dans Dark Souls 2, en vrai, c'est le jeu du fou, de tout et n'importe quoi. Hein. C'est ça qui est trop bien, c'est que c'est un jeu beaucoup moins premier degré. Enfin, il est premier degré, mais ouais, ouais, non, mais il y a un côté troll. On est d'accord, il y a des trucs troll aussi. Hé, hey, Marmotte, salut. En fait, ça va un truc troll que t'as pas dans les autres. C'est pour ça qu'il il a du charme, ce Dark Souls 2. Après, j'essaie de voir le positif, quoi. Voilà. Tu sais, c'est ça, c'est un peu le... C'est le fils du milieu, tu vois, celui qui essaie de faire un peu de l'humour et tout pour qu'on se rappelle de lui, parce que c'est ni le cadet ni l'aîné, quoi. Non, mais je vois le truc. Donc, ouais, là, on est déjà ici. Ça discute musique, là, sur le... Enfin, son, plutôt. Ouh là là, la malédiction, là. Ouh, la malédiction. C'est vraiment terrible, hein. Ouh, c'est dur, ça. Mon petit bonhomme. Ah merde, attends, c'est quoi pour faire le des... stick. Ah ouais, mon crop de bique. J'ai dû attirer toute la planète entière. Ah, je peux pas. Ah non, alors le dernier, je sais plus comment on dit le petit, c'est le dernier. Bon, vous avez compris, vous m'avez compris sur le chat, soyez pas comme ça. Mais oui. Tatillon, là. Ah, et t'as besoin de sauter, en fait. Ah, j'ai surtout besoin de tuer lui, là. Ah, mais c'est un nouveau. Ah, peut-être ça. Ah oui, c'est un nouveau, parce que je le connais pas, lui. Ouais, parce que lui... Et qu'est-ce que t'as? Ce qu'on adorait dans Dark Souls 1 qu'on trouvait jamais. Des éclats. Un éclat. Eh ouais. Cortex, c'est le modo du milieu. Peut-être, c'est peut-être ça. C'est un build de rapière, ça s'appelle. Ou pété. Comme tu veux. Ouais. Est-ce que je peux faire ça? Alors, il est où le petit pépère? Et du coup, on va augmenter en plus 7. Ah oui, comme ça, direct. Bah oui. C'est beau. Et en fait, il y a Nashka, ensuite il y a les ségrégations, je sais pas quoi là, machin, et t'es en plus 10. Parce que tu sais, dans les pics là. T'as un tablette de titanite. Non, et ouais, t'as les éclats et enfin bref. Voilà. C'est beau. Qu'est-ce que j'ai acheté? Super, je suis vraiment content d'avoir acheté ça. Je pense que ça va vraiment me servir. D'avoir acheté une épée. Mais c'est cool de faire ça parce que tu vois, t'as pas des âmes. Si je meurs, tu vois, tu peux faire les boss, on s'en fout. En fait, c'est le. J'en ai plein. C'est le cheminement qui compte après les boss, on peut les faire. Ah, mais je croyais que tu voulais augmenter encore d'un niveau, mais non, d'accord, autant pour moi. Je peux, hein. Non, mais c'est ce que je vais faire, ouais. Ce sera bien. Oh, l'autre qui a la Moonlight et Kéké, il essaye de me taper. C'est la version scolaire, hein, pour les gens qui se posent la question. C'est congrégation, pas ségrégation. Ah oui, c'est oui, vrai que oui, c'est pareil. Merci pour la précision. Bravo le chat. Il y a toujours au poil. Hein. Faut faire gaffe à ce qu'on dit en vrai. C'est faut faire gaffe. Hein. Parti. 17 000 âmes. Ah, attends. Oui, c'est... Ah oui, achète des gemmes. Je vais acheter ça. Elle vend pas des... Ah, c'est pas elle. Moi, je suis déçu. Ça continue. Il y a le monsieur qui vit dans le mur, qui fait du bruit. Ah, ça, on s'en fout. Ça, je crois que je vais devoir l'acheter un moment. En fait, le truc, c'est quand on va faire les 4 fois la charogne, on aura 1 million d'âmes, machin. Bah oui, on pourra faire ce qu'on veut. Et c'est trop bien, voilà, c'est ça. Mmh. C'est qu'après, on va pouvoir s'amuser et... c'était où? C'était là? Ouais, c'est ça. Allez, Machka, il est fort, Machka. Là, ce petit caldo, là. Ah oui, je le connais. Putain, regardez, on est à peine au début de la VOD, on est bientôt à la fin du jeu, là. Ouais, c'est fini, là, dans 5 minutes. Ouais. Non, je réfléchis. Pourtant, il est pas trop mal cet inventaire. C'est peut-être le seul. Ah, c'est mieux que le 1. Hein. C'est mieux clair que le 1. Ouais. Je trouve ça quand même un peu plus sympa l'inventaire. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Tiens, regarde. GG Kaldou, t'es le meilleur. Merci. Ah oh bah, on essaye. Hein. On essaye. Bah, on a fini Demon's Souls et Dark Souls. Et là, on est en train de finir Dark Souls 2. Enfin, moi, je participe activement hein, à l'ensemble de l'effort de guerre. T'inquiète. C'est pour aller vite. Hein.
Parce que vraiment, demain, si on arrive à faire Bloodborne et Dark Souls 3, c'est une super journée demain. Ah bah ouais, là, ça va être encore plus top, quoi. Là, on a fait Dark Souls Remastered sans le HUD. On a réussi à finir tout le jeu en sans fait, avoir l'interface. En vrai, c'était pour ce point. C'était très très dur, c'était, et c'était dur. Le plus grand défi de ta vie. C'est vrai. Ah mais si, une effigie, ça peut me servir. Regardez. Mais oui, bien sûr, c'était très très dur. Voilà, tu vois quand tu veux. Mais on a réussi. Hein. Ah ça, c'est pété. Je me rappelle. Elle fait très très mal par contre. Ah ouais, ah bah ça, là c'est... Donc c'est un peu... Mais je sais, je sais pas. Oui, c'est ça, je me rappelle ce que je dois faire. Ça. Oh, God. Et après, elle fait son attaque là, tu l'esquives. Tu reviens. Pour mon grand. Oh, t'es lent. Oh, Jean-Michel, là. Oh là 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 là! Non, non, non! Oh ouais, bon, c'est. Par contre, faut jamais être. Ah ouais, voilà, voilà, c'est ça. Je voulais éviter à tout prix. Donc on va attendre. Oh, j'ai bien changé du coup. Non, non. Lâche-moi! Combien d'années les résines hein? Ah oui, c'est, en plus c'est ça. C'est... ça fait déjà 8 ans. Oui. Bah oui, ça dure très longtemps. Voilà, la pierre. Hein. Nom de Dieu. J'ai joué comme un pied, mais. GG. Bah, GG. Hein. Voilà. Mini micro praise the sun. Micro, oui, c'est avec les doigts, tu sais. Mais voilà, quand tu joues comme ça, bah, tu trouves que le jeu est cool, tu vois. Bah, ouais, puis le Danhammer, quoi. Oui. Je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui se rappellent que c'est ce nom-là, parce que du coup, c'est un mec qui s'appelle Dan pour de vrai qui m'en a parlé. Et puis ça sonne bien, Dan Hammer. La VOD. Ah bah oui, regarde. À bientôt. D'ailleurs, salut. Oh putain. Oh. Ah oui, merde, c'est plus la play. D'accord, vas-y, je t'en prie. J'aurais dû mettre un raccourci pour la VOD.